Tu préférerais que je te mente ?
Saka n'avait pas assez d'hommes comme ça. Regardez autour de vous. La tension monte dans toute la ville. Les costards savent qu'il suffit d'une étincelle pour que Japantown s'enflamme. Et pour rétablir l'ordre, il vaut mieux des gens qu'on n'associe pas à votre nom. Ah, tu es là. Goro, contente de te voir. Tout le plaisir est pour moi, V. J'ai réuni des informations de mon côté. Tu sais qui souhaitait le plus honorer Arasaka-sama avec ce défilé? Son assassin. L'ironie de la situation me dégoûte. Quel intérêt pour Yorinobu? Il n'a pas du tout l'air du genre à respecter les traditions. Oui, en effet. L'héritage japonais est une chose. Mais c'est également une démonstration de puissance. Les chars seront certes magnifiques, mais l'œil avisé y détectera aussi un message caché pour ses ennemis. Quel genre de message? Je suis là, Gomindomo. Méfiez-vous. Il n'est pas vraiment subtil, hein. Je vois toujours pas ce qu'on va faire de tout ça. J'ai ma petite idée. Regarde en l'air. Les chars d'Ashi passeront exactement par là. Si j'arrive à monter sur le char de Hanako-sama, je pourrais lui parler en privé. Mais comment? En sautant, bien sûr. C'est du délire total, Goro. Même si t'avais encore tes super implants, t'aurais aucune chance d'y arriver. J'ai réfléchi à une solution. Pendant que tu t'occupais de tes petites affaires, je me suis renseigné sur les chars. Ils sont tous entreposés au même endroit. Le parc industriel d'Arasaka. C'est là qu'il les prépare. Il nous suffit de nous y introduire, de trouver le bon char et d'injecter un virus dans son système. Tu pourras alors neutraliser la sécurité avant que je me glisse dedans. On peut faire ça d'un tas de façons différentes. Il va me falloir... Je sais ce qu'il te faut. Je m'en suis occupé. J'ai un éclat infecté. Il m'a coûté cher. Mais l'homme qui me l'a vendu m'a assuré qu'il marcherait. Où tu l'as eu, cet éclat? Sur l'autre rive. Kabuki? Y a des chances qu'il soit pas trop mal. Et dans le cas contraire, j'ai 2-3 trucs en réserve. C'est bon à savoir. Bien, marchons un peu. Prendre le contrôle du char, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. La sécurité m'inquiète, surtout les snipers. Je serai une cible facile. Mais j'ai peut-être une solution. Okada-san a mentionné les caméras de la ville. Si on y a accès, on saura exactement où se trouvent les snipers. Tu pourras les neutraliser pendant que j'avancerai. Ok, ça devrait le faire. Tu n'as pas d'objection? Les risques sont importants. Oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit test? Il faut essayer l'éclat. La salle de contrôle des caméras est devant nous. Tu dois y accéder et infecter le réseau.
C'est tout. Ouais. Et pour... Pendant ce temps, tu vas faire quoi? Te boire une petite bière? Je ne bois pas d'alcool pendant le travail. Je te couvrirai. Allez, à toi de jouer. V? Ça a marché. Alors? Le système est à nous. L'éclat fonctionne. Bien. On a fait le plus simple. S'infiltrer dans le parc industriel de Rosaka ne sera pas une mince affaire. Mais avant de parler de ça... Assieds-toi. Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi votre meilleur plat. Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Du moment que ce n'est pas... local. Allez, à demain. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de char, Asaka, pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Il est pas au top de sa forme, ok. Mais même sans ses implants, il pourrait nous dérouiller. Je peux savoir d'où tu sors ça? Tu l'as déjà vu à l'œuvre? Non, mais ça se voit. Sa façon de marcher, dans son regard. On en reparlera plus tard. Et, qu'est-ce que c'est? Yakitori. Bien. J'ai établi le plan. 1. On s'infiltre dans le parc industriel d'Arasaka. 1,5. On pirate le char de Hanako-sama. 2. Lors du défilé, je te guide et tu élimines tous les snipers. 3. Je monte sur le char. 4. Je révèle la vérité à Hanako-sama. C'est ta version élaborée du seppuku? Hein? Pourquoi? J'ai comme l'impression que tu veux nous faire tuer. Je me demande pourquoi. Les risques sont importants, mais nous n'avons pas le choix. Hanako-sama est notre seule chance. Tu comme moi, tu n'as rien à perdre. Je le vois dans tes yeux. Maintenant, séparons-nous. Il faut faire une reconnaissance. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas avoir besoin d'un guide. Je viens avec toi. C'est vrai. Et avec ta dextérité... et ton esprit de voleuse, c'est d'accord. Faisons ça ensemble. Chef, montez le volume. Yorinobu. En chair et en os. Il a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et il... Ils lui ont donné ce pouvoir. Arasaka, un empire bâti pour durer. Avant que Yorinobu n'y mette le feu de l'intérieur, tout est de sa faute. Les factions,
les luttes de pouvoir. Tout ce... ça. Yorinobu, d'où est-ce que ça lui vient, ce côté rebelle? Ça, personne ne le sait. Je lui poserai bientôt la question. En personne. Comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Le plus fort que j'ai jamais connu. Pourtant, à un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse. Envers Yorinobu? Envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille, Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentré, la queue entre les jambes, c'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Attends. Tu crois qu'elle est complice du meurtre de Saburo? Je pense que nous sommes tous coupables. Personne ne l'a vu venir. Mais ce sera bientôt réparé. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Allons-nous-en d'ici. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. De la sciure et du plastique. J'ai trouvé un bon point d'observation. Il nous suffit de grimper là-haut. Allez, c'est par ici. La chance est avec nous. On dirait qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement... Quoi? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point? J'ai peut-être juste le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves des points faibles. Pendant ce temps, je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas que Arasaka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions? Ok, c'est parti. Le temps presse, V.
dépresse. V. Un bon point d'observation. Il nous suffit de grimper là-haut. Allez, c'est par ici. La chance est avec nous. On dirait qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement... Quoi ? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point ? J'ai peut-être juste le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves des points faibles. Pendant ce temps, je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas que Rasaka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage... serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions ? Ok, c'est parti. Une passerelle, mais avec des gardes. Le cœur de leur sécurité doit être dans ce bâtiment. C'est parfait pour un sabotage. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Il mène peut-être aux entrepôts.
Des tourelles camouflées près de l'entrée. À éviter. Je ne tiens pas à mourir là-bas. Tu te débrouilles bien. Des tuyaux, tu les vois ? On pourrait s'en servir pour entrer. Je crois que j'ai tout vu, là. Est-ce que tu vois les trois antennes ? C'est parfait pour un sabotage. Quand leurs communications seront coupées. Daikon Lanza. Alors, on s'y met ? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpiki Plaza ? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Y a plus qu'à tuer le temps. Quoi ? Pas du geste brusque. Tu le vois ? Le chat. Il est mignon. Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night Hostie. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Un Bakeneko, c'est quoi ? C'est un chat esprit. Il apporte le malheur. Il peut ressusciter les morts. Du calme, c'est qu'un chat. Peut-être. Ou peut-être pas. Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko. Ça te manque ? Question idiote. Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ah, ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Mon enfance, voyons voir. Ma première virée en bobeur au milieu des collines. Oh, et mon premier baiser au milieu d'un champ de maïs synthétique. Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Laisse-moi deviner, ils voulaient en faire des soldats corpaux, c'est ça ? Exactement. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À la remet, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges, même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde, de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité... Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas. Tu t'es rangé d'un coup. T'as déjà oublié ce qui s'est passé chez Tom's Diner,
Les gens détestent par-dessus tous les corpos. Et on peut pas leur reprocher. J'ai des regrets, mais sûrement pas d'avoir volé Arasaka. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites, les vieilles habitudes ont la vie dure. Tu sais ce que je crois? Non, quoi? Ce jour-là au Kompeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit. On se querelle pour rien. Voilà enfin des paroles sensées. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. Hanako-sama va nous aider dans notre mission. Ou elle veillera à ce qu'on crève pour de bon. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non? Merde! Viens! Tu n'as pas l'air si mal en point. Je reste à l'écoute. Les manœuvres de diversion, ça, c'est mon affaire.
détourner leur attention. Recherche.
Je suis entrée. Tu ouvres les plus gros chars. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Je pense qu'ils utilisent des termes.
silence. Hein? Intervention terminée. Je suis entré. J'ouvre les plus gros chars. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Je pense qu'ils utilisent des termes ordinaires. Comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle. Et semer la confusion. Très bien. Je suis prêt. Quand tu auras terminé, je détraquerai les systèmes. On sort, connard! On a subi de l'univers. Le char est à nous. On pourra voler avec jusqu'à Tokyo. Vas-y.
entrer. J'ouvre les micro chars. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Je pense qu'ils utilisent des terminaux ordinaires. Pigé, comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle et semer la confusion. Très bien. Je suis prêt. Merde. Quand tu auras terminé, je détraquerai les systèmes. Le char est à nous. Tu pourras voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. À mon tour. Tu as vu, c'est le chaos total. Même le toit commence à... Hé, le toit, c'est ta porte de sortie. Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pour redescendre. Hé, dépêche-toi. Il y a une amie de la Saka en approche. Putain, ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais.
Sors de là! Sous contrôle. Prends-toi, t'as aucune chance de t'échapper. Vers les étals, t'attires pas d'ennuis, ok?